Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Aromazone. Donc je vais vous faire cette vidéo, mais le jour même que je l'ai reçue, vous voyez le carton, il n'est même pas ouvert. La vidéo va être très courte. Et donc je vais vous montrer les produits que j'ai commandés, pourquoi. Et bien sûr, dans les jours qui suivront, vous aurez un DIY. En plus, c'est vraiment, vous comprendrez pourquoi, c'est vraiment la saison pour faire ça. Alors, c'est pas la première fois que je commande chez Aromazone, pour celles qui ne me connaissent pas. C'est vraiment un site vraiment très très bien, d'huile essentielle et tout ça. Et en plus, la livraison est très très rapide. Alors là, j'ai ma frange. Il est temps que j'aille chez le coiffeur. Je ne vois plus rien. Voilà, bref. En plus, j'ai acheté le truc hein, chez AliExpress pour couper les franges. Mais, comment dire? Alors, c'est bien emballé, hein, dedans. Hop. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Il y a 4 petits produits. Et puis vous avez la notice à chaque fois. Alors c'est la période des rhumes, n'est-ce pas? Et en plus, moi, j'ai un gros souci. C'est que dès que je vais me coucher, j'ai le nez qui se bouche. Je fais des sinusites chroniques en fait. Donc dès que je suis couchée, j'ai au moins une narine qui se bouche et forcément c'est pas très agréable pour dormir, et ce qui fait que après le matin, mais quand je me lève, et bien forcément je me mouche, j'éternue au moins 20 fois, voilà. Et après ça se calme, mais c'est tous les jours pareil. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus quand on est enrhumé, bon, on a les bouchées aussi, trouver quelque chose à base d'huile essentielle pour arranger tout ça quoi. J'ai trouvé une petite recette avec 3 huiles essentielles et c'est assez facile d'appliquer ça. Donc ça, vous l'aurez en DIY. Vous aurez besoin en fait de l'eucalyptus globuleux. Donc, il fait le focus celui-là. Et de l'huile essentielle de niaouli. Voilà. Et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Bon, ça, je l'avais déjà. Voilà. Donc, ces trois-là, ça sera pour une recette pour tout ce qui est nez bouché, pour vous aider à mieux respirer. Ensuite, j'ai commandé de l'huile essentielle de pamplemousse. Voilà. Et ça, justement, ça va servir avec un article que j'ai commandé sur AliExpress, un diffuseur d'arômes. Et ça sera pour mettre dans la chambre. Et il paraît que en mettant ceci, ça permet de bien respirer, de dégager les sinus et tout ça. Donc, ça, je ne vais pas faire un DIY parce que c'est pas très compliqué de mettre un seul produit dans un diffuseur. Après, si ça vous intéresse... dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec le diffuseur. Dites-le moi. Et puis je vous tiendrai au courant si ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, je l'ai commandé, je ne l'ai pas reçu. Et ensuite... Élis crise italienne. Voilà. C'est pour les cicatrices. Donc, vous savez, pour ma fille, j'avais déjà fait la rose de musquée, un autre truc. Et puis là, sa peau change pas trop. Et j'ai lu que ça pouvait être un truc miraculeux. Et donc, toutes ces trois recettes, je suis tombée par hasard sur un site. Et oui, ce n'est pas Aromazone. Alors, pour celles qui connaissent ce site Aromazone, c'est très bien. Mais c'est vrai que pour les recettes et tout ça, pour chercher un produit, c'est pas super pratique, le site est pas super bien fait.
quand on a l'habitude, ça va, mais premier abord, c'est pas évident. Je suis tombée sur un site, c'est la compagnie d'essence. Par contre, alors celui-là, le site est vraiment très pratique à comprendre et c'est là que j'ai retrouvé ces recettes-là. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas commander chez eux? Le problème, c'est que la différence de prix entre Aromazone et la compagnie d'essence, c'est dingue. Déjà, rien que pour la livraison, Aromazone, c'est 2 euros. Si vous commandez au-delà de 39, 35, 40 euros, c'est gratuit. Chez eux, c'est 5 euros. Voilà, déjà, de 2 à 5 euros, vous avez déjà une marge. Après, je pense qu'il doit faire la livraison gratuite aussi, mais je ne sais pas. Je vais prendre mon ordi, je vais vous montrer la différence de prix pour les mêmes choses et vous allez constater par vous-même. Après, s'il y a quelqu'un qui a déjà commandé chez la compagnie d'essence, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir si ces produits sont bien ou pas. Mais bon, je trouve que quand il y a beaucoup de différences de prix comme ça, c'est bizarre. Pourtant, je suis en train de voir que la livraison est gratuite, eux, à partir de 50 euros. Bon, en plus j'avais une remise, ce qui est pratique. Donc, on va voir par exemple, moi j'avais vachement vu la différence avec celui-là, l'essentiel Daily Crise Italienne. Donc ça c'était d'autres recettes que j'avais trouvées. Vous voyez, j'avais mis dans mon panier, mais bon, finalement, on va taper directement Daily Crise Italienne. Voilà. Voilà, vous avez le prix là pour 5 ml, 26,70 €, ce qui n'est vraiment, vraiment pas donné du tout. Donc pour la même capacité, 5 ml, on est à 24,90 € et pour l'autre, on est à 26,70 €. Donc on est presque à 2 € de différence. Ce n'est pas des centimes, c'est carrément des euros pour exactement la même chose, hein. On va essayer l'huile essentielle de pamplemousse. Donc pour 5 ml, on est à 5,10 €. Et là, déjà, eux, ils font pas de 5 ml. Donc on est à 10 ml et on est à 2,50 €. Donc vous voyez, pour plus, je suis à 2,50 € pour 10 ml, que là pour 5 ml, j'en suis à 5,10 €. Donc si je me mets pareil à 10, il y a 2,50 €. Bon, certes, c'est pas la bio. Alors on va prendre la bio. Et la bio, pour 10 ml, on est à 4,90 € contre 7,50 €. Donc voilà, hein, à ma foi, les prix, c'est au moins, il y a au moins 2, voire plus 2 € de différence à chaque fois, plus les frais de livraison qui sont de 3 € de différence, ça fait beaucoup. Voilà. Par contre, donc sur ce site-là, il y a pas mal de bonnes recettes, dont celles que j'ai trouvées, et c'est vraiment très facile à comprendre. Ils font des packs. Alors, par exemple, je vais vous montrer le pack pour la sinusite. Bon, c'est les sinusites aiguës, donc c'est pas trop la même chose, mais bon. Dans leur pack, vous avez donc tout le matériel nécessaire et en plus, ils vous offrent un petit flacon pour préparer votre mélange et une étiquette pour coller sur votre flacon quand vous avez terminé pour écrire ce que c'est en fait. Voilà, vous avez le mode d'emploi comme chez Aromazone et voilà. J'avais envie quand même de vous parler de ce site-là. On ne sait jamais s'il y en a d'entre vous qui l'avaient déjà testé. Dites-moi si vous avez aimé. Moi, perso, j'ai pas trop osé parce que quand j'ai vu la différence de prix, j'ai fait merde. Il y a pas mal de différences. Du coup, j'ai piqué leur recette. Bon, ça se trouve, chez Aromazone, ils y sont peut-être aussi. Mais c'est vrai que là, je suis tombée assez rapidement dessus. Et comme c'est les mêmes produits, voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.